Et un petit peu de PVP, si on le faisait encore. Donc là, en fait, j'ai corrigé les petites erreurs qu'il y avait eu donc, précédemment, dont mon Ginjo, qui avait un petit souci technique de Link, et mon Blue, qui là, j'ai fait un changement de build aussi, pour voir ce que ça donnait. Attendez, comme d'hab. Mon petit Ginjo. De quoi faire bobo. Mon nouveau build pour le blue, voir ce que ça vaut. Et mon Shiro Shiro. Donc là, on va passer au test. Alors. Comme on dit, on teste, donc on va pas prendre trop de risques pour le départ. Là, c'est plus correct. Bon bah a priori le nouveau build que je lui ai mis là pas mal hein. Là on va dire par rapport à avant où j'avais un build sur Blue qui était plus HP attaque, là c'est un build que vous avez vu qui est plus défense, HP et SP. Là maintenant ce qui me fait plaisir c'est que mon Ginjo ne tombe plus comme avant parce que ça me faisait de la peine avant, je comprenais pas pourquoi. Bon, on va faire le test sur les deux joueurs. Ah. Non, on va continuer encore en mode tranquille. On est toujours en mode test. Je vous montrerai un exemple après contre mon affinité. Ah, tiens. La dernière fois, j'avais perdu contre un Ishida. Vengeance. J'étais pas sûr, mais maintenant je suis sûr. Ok, ça va, il peut gérer dans ce build là, tout va bien. Donc ça, c'est une variante de ce que je voulais faire à l'origine, mais ça fait ses preuves. Par contre, il me reste juste, ouais, effectivement, mon cher Osaki, bon, vous avez dû le comprendre par rapport aux vidéos précédentes concernant mes fusions et reroll. Que justement chez Osaki, j'ai cherché à améliorer ses accessoires dans le même objectif que je suis en train de faire actuellement.
J'en dis pas plus, mais au fur et à mesure, vous en rendez compte de mes changements de build. Alors, c'est Pincho. Ou Pinko, Pecho, Pinko, Pinko, oui, Pincho. Excellent, excellent. Donc effectivement, je remarque quelque chose. Ouais. Donc mon intuition, ouais, finalement, on va dire, c'est pas mal des fois. Je réfléchis, en fait, c'est en train de cette combinaison est une combinaison des deux précédentes que j'ai fait avant, et le build que j'ai mis sur Blue, en fin de compte, correspond à une fusion d'une autre combinaison. Si vous avez compris tout ce que je viens de raconter, c'est bien. Moi, j'ai encore un peu du mal. Continuons. Bon, on se le fait l'exemple, allez, on se fait l'exemple. J'adore mon équipe, j'adore mon équipe. On va pas non plus tenter le diable, on va dire, en allant taper sur du Riruka non plus, hein. On n'est pas cinglé. Rouge, parfait, affinité opposée. Mais Aisane est embêtante en battle. Hein. Mais bon, c'est pas grave, challenge accepted. Alors là, je vous dis, j'en reste bouche bée. Dans ma tête, je pensais que j'allais perdre. Cette équipe est magique. Elle est magique. Elle est magique. Ouais, vous comme moi, vous avez sûrement dit, vous vous dites, Erija, il va perdre. Mais non, je n'ai pas perdu. Oh my goodness. Ah mais ça y est, les 5 combats sont faits. Bon bah voilà. Du coup, je pense que je vais faire une petite série de vidéos comme ça, parce que ça me paraît pas trop mal, en fait, finalement, de vous faire des petites vidéos de PVP comme ça, je vous dis mes impressions, je vous dis un petit peu comment je change mon build, etc. Je vous dirai un petit peu aussi mes impressions de comment je ressens les changements par rapport à la masse des gens, comment ils jouent maintenant. Et ouais, ça pourrait être sympa comme ça. Et après, pour le titre, je ne sais pas encore, mais je trouverai un titre sympa pour la série.
Voilà. Donc, c'était Mushu en PvP, avec le Mushu Battle, qui vous dit tchou tchou!